Salut tout le monde, donc ça fait un mois que je suis en échange universitaire au Japon et là directement vous vous dites ah mais on savait pas mais Maxence c'est un fan de manga à base de le week-end il se déguise et tout, il va faire du cosplay, je crois que ça s'appelle. Bon, en l'occurrence c'est pas trop le cas pour moi, c'est pas trop mon délire, mais effectivement je dois reconnaître qu'après un mois passé ici je me rends compte que la plupart des exchanges, donc des élèves qui viennent d'autres universités comme moi, c'est un petit peu plus le cas. Il y en a pas mal qui sont dans le cas de gros love du manga. Et tu vois, ce qui est marrant quand tu observes ces gens-là, c'est qu'il y a un peu une espèce de petite compétition entre eux du style qui c'est qui a le plus le droit d'être ici et qui connaît le plus de choses dans ce monde-là, tu vois. Donc ça commence à se jauger avec des trucs tout cons, tu vois. Par exemple, quand tu manges, déjà à ce niveau-là, tu vois, plusieurs niveaux de professionnels de la baguette, tu vois. Et tu sais très bien de quoi je parle. T'as le premier niveau qui est « j'assume pas, mais je mange quand même ». T'as le deuxième niveau qui est « j'arrive peut-être pas, mais au moins je suis malin ». Et t'as le dernier niveau, c'est quand il arrive. Et tu remarqueras que pour un Français, en l'occurrence, quand il sait manger avec des baguettes, il peut pas s'empêcher de t'apprendre comment faire. Même si t'en as rien à foutre, toi, tout ce que tu veux, c'est manger. Et d'ailleurs, au-delà de ça, dernier truc que j'ai remarqué en cuisine, putain, et je parle que de bouffe, mais comme d'habitude, je pense qu'à la nourriture, moi, c'est très bizarre quand même. Donc, dernier truc que j'ai remarqué au niveau de la nourriture, quand je cuisine, tu vois, là, tout de suite, il y a l'image du Français, tu vois. Quand je cuisine, ils voient à peu près ça. Alors qu'en réalité, c'est un petit peu plus ça. Mais bon, ça fait partie du long sujet du Japon. D'ailleurs, il y a encore pas mal d'autres trucs qui sont différents en France, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu penses que l'été en France, il fait chaud. Mais alors là, mon gars, tu connais rien. Ok, donc l'été en France, quand tu mets une vidéo, ça donne un petit peu près ça. Alors que ici, avec 100% d'humidité, mais quand tu mets du déo, ça ressemble plus à ça. Eh ouais, la vie est pas facile ici. Mais bon, au moins il fait beau. Moi, le truc qui est différent ici, c'est les restos sushi. En France, tu vois, t'as plusieurs styles. Le resto sushi où tu commandes, on t'amène ta bouffe, ok, comme un resto français. Après, t'as celui, tu sais, où t'as le rail qui défile et qui vient jusqu'à toi, et là, en gros, t'as plus qu'à serrer les fesses pour avoir le truc que t'as repéré, tu vois, qu'au début de la ligne. Et tu te dis, purée, j'espère qu'il va arriver jusqu'à moi sans que personne le prenne. Ça fait 45 minutes que j'attends. Ici, c'est un peu le même principe, mais en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu commandes sur un écran et après, tu as un petit train sur rail qui t'amène ton truc jusqu'à toi. Alors, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas ça qui existe en France. Bah, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est traumatisme au niveau des grèves SNCF. Hein. Le mec qui est arrivé en France, qui a voulu développer ça, il s'est pris un stop monumental direct. On lui a dit « Ah non, mais cherche pas ici, les grèves, les trains, ils arrivent jamais à l'heure, c'est pas possible. » Bah, seule solution que je vois. Manger, mais on va parler aussi un peu de boire. Ici, tu as des bars, tu payes en rentrant et c'est à volonté pendant un temps donné. Mais ça, c'est dommage que ça n'existe pas en France. T'imagines, pour les étudiants, ça vaudrait grave le coup. Mais non, en fait, c'est pas possible parce que imagine-toi, allez, un vendredi soir, juste après un match de rugby, tu as toute l'équipe qui débarque. En France, ça, mais c'est même pas possible. Tu te retrouves direct le bar avec le déficit du PIB, mais violentissime, pire, pas possible. Just hold on, we going home.
89 jours ici, autant dire que je suis super heureux d'être ici, mais que effectivement il y a certaines choses qui commencent à me manquer, genre fromage, vin, saucisson, le pain, la baguette, énormément, le petit-déj français beaucoup, parce que c'est quand même le repas que je préfère, ma famille bien sûr, et d'autres personnes en particulier, mais bon, voilà, on va continuer à profiter, on va se concentrer sur les examens qui arrivent bientôt, parce qu'en fait ici mon semestre, le semestre japonais est divisé en deux quarters, qui fait qu'en gros vous avez deux salves de cours différents durant un même semestre, donc ça change. On remarque que c'est pas mal parce qu'on n'a pas le temps de, entre guillemets, s'ennuyer sur un cours, ça c'est le côté vraiment positif. Après c'est que ça va du coup super vite et on n'a peut-être pas le temps de voir les choses en profondeur, mais bon, c'est pour mes 4 mois ici, moi ça me convient vraiment très bien. Donc voilà, je vous quitte sur une belle vue, un beau temps, et je vous dis à très bientôt.